Lâche-moi, je t'ai dit, je te suis, bébé. Lâche-moi, je t'ai dit, je te suis. Lâche-moi, c'est plus simple. Lâche-moi. Lâche-moi, je te suis. Bon, ça va. Tiens, bébé, tiens. Lâche-moi. Allez, lève-moi, sinon je vais vous faner les couilles, vous n'allez pas m'emmener. Okay, lève-moi. Lève-moi d'abord, coupable. Lève-moi. Qu'est-ce que tu viens là de cacher les cieux? Ah mais bien là je t'ai dit, je t'ai dit mais juste mon pas sur les yeux, wesh. Avance, avance, tu mets juste la main. Mais pas stress, je dis. Avance, tu mets juste la main. Vous êtes familier, quoi. Ça va mettre 1000 heures. Oh mais bien là je dis. Oh là là, comment t'es mieux. Je t'ai dit, tu mets ta main sur mes yeux, je t'assure, je bouge pas. Là, je bouge, je vais mettre un peu sur ma tête. Ah viens, fais ça, frère. Vas-y, lève-moi. Tu mets ta main sur la tête et je bouge pas. Mais si tu veux mettre ce truc, je vais l'enlever. Vas-y, lève-moi. Lève-moi et tu laisses ta main sur les yeux. Vas-y, lève-moi. Hop, nickel. Hop, tu bouges pas. Eh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Un peu frisqué à votre... Ah vous savez pas pourquoi je suis en train de rigoler. Parce qu'en fait, moi quand je tourne mes vidéos là, je les envoie au monteur. Genre je fais 50 fois la prise des fois. Parce que c'est nul. Là l'intro elle était nulle. Et je lui dis elle est nulle l'intro, attends je la refais. Un peu frisqué en ce moment, vous avez remarqué? Elle pue sa merde cette intro, je refais. Attends. Ok, faut rester un Rachel. Tu vas leur dire, mais attends, mais si ça bouge c'est que je viens pas d'arriver, je suis bête ou quoi? Attends. Ah attends, faut qu'on voit la lampe.
Merde, attends, faut que je le rapproche ici. Voilà, là c'est stylé. Attends, on voit les câbles. Je mets le cul du siège. Non, je mets ça dessus. Attends. Voilà, là ça cache un peu des câbles. C'est bon, c'est parti. Ah, mais je suis bête, après je peux pas venir m'asseoir directement. Bon, allez, vas-y, on enchaîne. Du coup, je suis revenu, j'ai refait pour faire exactement la même intro. Mais c'est pas grave, on est naturel, les gars, on prépare rien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Escape Game, vous vous rappelez que je m'étais fait pranker et j'avais le visage marqué. Et du coup, cette vidéo sort enfin. Je sais que pas mal de gens me l'ont demandé. Vous allez rigoler. Et j'aimerais aussi remercier Mission Évasion Lyon. C'est l'Escape Game qui a accepté que l'on filme. Et vous savez très bien que les Escape Games refusent tout le temps de filmer les Escape Games. C'est un peu normal. Et là, ils ont accepté. Parce que ce que vous savez pas, si vous voulez faire un décor d'Escape Game, ça coûte entre 100 000, 250 000, 300 000. Ça dépend le décor que tu vas faire. Si tu veux mettre des trucs un peu poussés, la honte. Des trucs un peu poussés au niveau de la technologie. Et bien du coup, vous allez payer encore plus cher. Et en fait, par respect pour le fait qu'ils m'ont laissé filmer, vous allez voir, il y a des moments qui seront bipés, coupés ou floutés. C'est justement pour que si vous, vous avez envie d'y aller, eh bien ça vous gâche pas le truc et que eux au moins, bah, ils sont pas obligés de changer de décor à cause d'un YouTuber qui vient et qui filme tout. Et les gens, ils ont plus aucun intérêt à venir passer cette épreuve incroyable et ce moment aussi incroyable avec des amis. Franchement, je vous recommande, c'est très marrant. Nous, on a énormément rigolé, c'est trop drôle. Donc je vous conseille de le faire avec vos amis. C'est pas inopé ni rien du tout, mais vraiment, je tenais à faire ce petit disclaimer avant que la vidéo elle commence, parce que je vous jure que ça n'existe pas des escape games qui vous laissent filmer. Et là, ils ont accepté. Ouais, vous avez compris, pourquoi je raconte ma vie? Vous avez compris, vous êtes pas des imbéciles. Pourquoi je parle comme ça, Miller? Allez les gars, salut, je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, comme tous les jours, vous allez tenter une nouvelle fois de vous évader. Mais aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Les gardiens disposent d'une pause exceptionnelle d'une heure, et c'est pile le temps qu'il vous faut pour vous barrer. En plus, vous allez avoir les deux Joe, un matou corrompu à qui vous avez promis un sacré paquet d'oseilles, et il attend son argent à l'arrivée, alors maniez-vous le cul! Eh, prisonnier, faites très très gaffe aux gardiens un peu névrosés qui hésiteront pas à vous faire des fouilles au corps, très rapprochés si vous trouvez. On va aussi parler d'une invasion de rats dans les locaux de la prison qui bouffent les orteils qui dépassent. Et surtout, faites très très gaffe au détenu sodomite de la cellule du fond avec sa tête de con là-bas. Apparemment, il est extrêmement dangereux, celui-ci. Prisonnier, au signal de Joe, vous pourrez retirer vos bandeaux et bon courage. Ok, prisonnier, ici c'est Joe. Pour commencer à vous évader, ok, vous pouvez vous évader. Bon courage, prisonnier. Vas-y, je suis où là? Oh, vous êtes venu comment ici? Je suis où là? Attends, vous êtes venu comment ici? Ah, vous êtes venu comment ici? Frère, en bas chez moi, ça m'a mis dans une voiture. Attends, tu t'es battu d'où ou pas? Ouais. Et j'ai fait une bagarre de petite patate. Patate, c'est qui? Attends, ma tête, elle est pas à la frite ou pas? Ah, oh, c'est quoi? Ouais, c'est complet, quoi. Ça m'a mis des trucs et tout, moi. Mais frérot, là, on s'est battu pendant 10-15 minutes là, dans mon local. Ouais, ça m'a dit. Attends, où? Dans mon local. Attends, mais on fait comment déjà? J'ai un pied attaché, moi. Et vous êtes mangé quoi, vous? Moi, en gros, ça m'a dit viens dans le snack, je suis descendu, ça m'a balayé, ça m'a mis dans un camion. Et oh là, la masse blanc là. Oh, ça t'a arqué, vous, Gauthier? Dans le snack. Oli, ton truc. Dans le snack. Paresse, lis ton truc. Écrire, enlever sa combinaison, appel obligatoire, interdiction de dégrader les lieux, ne pas répondre face à un acte de violence manifeste. Appeler le directeur, monsieur le directeur. Et c'est tout. Attends, c'est pas un truc qui est lié entier et qu'après moi je peux tirer et je peux partir avec? Oh, ça commence à toi. Tes chaînes, elles se coupent à quel moment, Gauthier? Oui. En fait, on a besoin de nous trois. Écoutez bien, prisonnier. Apparemment, il faudrait que vous regardiez à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de vos cellules. Il devrait y avoir des trucs qui traînent un peu partout. Il y a une information qui concerne le trou du cul de la cellule centrale. Apparemment, l'ancien député de la cellule prisonnier, en cellule centrale, il avait dans sa chute. Tiens. Allez! Ça va? Ça a duré 1000 ans, frère. Je trouve que c'est pas la bonne clé, toi. Dans ta cellule. Mais par contre, commence pas à tout astiquer, c'est un peu gênant là.
Non, non, non. Ah là, j'ai. Ici, là. Essayez de trouver le deuxième. Allez, barre-toi, fais couler, c'est ta menotte et barre-toi. Ah, mais ouais. Ah, ouais, mais comment? Je suis con. Fais la coulisser. Alors, si, après tu tires là où il y a un endroit fin. Ah, là, 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 là. Maintenant, essaye de tourner. Jusqu'à la base. Attends, attendez, j'en ai jeté. Le connard là, de la cellule du pont là-bas. Apparemment, l'ancien détenu de ta cellule, il avait creusé un petit trou à la petite cuillère. Tu l'as vu? Ouais. Et tu vois quelque chose à travers ce petit trou ou pas? Ouais. Je répète la question, est-ce que tu vois quelque chose d'utile à travers ce petit trou? Bah, je vois une cellule avec une caisse, avec un lit, avec un miroir. Oh putain! Ah, des pierres! Des pierres et deux pierres. Tiens. Comment on parle? Je vois. Je vois une cellule avec une caisse, j'ai deux pierres dans la main, avec un miroir, un lavabo. Ok. Bah oui. Ah oui, c'est bien, il y a du temps. Ah ok, d'accord, d'accord. C'est ça. Ok, nickel. Viens donc te barrer. Il va falloir que tu mettes ta tenue prisonnière. Elle est où? Derrière toi. Est-ce que tu vas en prison de ta mère ou quoi? Allez, ah. Allez, déshabille-toi. Ah, tu t'es laissé faire, toi? Non, non. J'ai mis un coup de je sais pas à qui, mais... Il y en a un qui en a pris un. Il y avait un pelot de 1000 kilos, il est arrivé, frère. Ah, tu sais que j'aurais pu me barrer, mais quand j'ai vu qu'ils m'ont pas mis de patates, j'ai compris qu'en gros c'était un truc où il fallait que je reste. Allez, prisonnier, au courage de l'autre côté, on reste en communication. Comment je sors, moi, Fares? Toi, tu vas te faire foutre. Ok. Non, il est sorti là-bas, il m'y a rien à voir. Oh, je suis dans la merde. Putain, mais je suis bloqué, frère. Oh, le go. Ouais. Ah, je me suis niqué le genou. Ouais. T'as pas besoin de flipper? Si. Si. Ah, c'est moi qui l'ai. Ah, bien vu. Ah, je me suis arraché le genou. Non. Ah, non, non, non. Ah, c'est pas la balle. Vas-y, ouvre ça, essaie d'ouvrir. Ah, il faut un code. On voit la clé, on voit la clé. Oh, nickel. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui bloque la porte, là. Il a pris pour un coup d'un ou quoi, le gars? Oh, bien vu, oh là là. Allez, nickel. Le mélange, on le boit ou pas? Quel mélange? J'ai un mélange là, il y a un jus là, bizarre. Un jus? Ouais. T'as dans les jus, toi, en plus? Ouais. Je te conseille de le boire, pour venir. Ok. Vas-y. Par contre, vous pouvez passer dans l'autre cellule. Mais la tenue ou pas? Non, t'inquiète. Vas-y, viens. Ouais, on a pas besoin de ça là. Bah, attendez, venez, on prend ça, c'est ce qu'on a besoin. Ok, ok, mais ça la merde. Vous voyez les dessins sur la trappe? Sur la trappe, ouais, ouais. Bon. Allez, bougez-vous le cul, on a pas beaucoup de temps. Sous la caisse. Ah, il manque plus que la mais c'est fini. Ok, donc là c'est 14, donc ça fait 5, 10, 15, 14 moins 14, donc ça fait 0. 14 moins 14, 21. Non, mais là il y a 21. Ah, ok. 12 moins 21. 12 moins 21, ça fait. Ça fait. 12 moins 21. On peut aller à moi? Oh, voilà. Attends, 14, 21. Les toilettes. 14, 21. Les menottes, elles sont où les menottes, du coup? Les menottes, elles sont là-bas, derrière à gauche. C'est les menottes, là, tu vois? C'est menottes. À gauche, là, ouais. Ok, 5. 5 moins 4, 5. Ah non. 5, 6, 7, 8. 8 plus 5, ça fait 13. 0, 13. C'est quoi tes calculs? Du coup, 5, 15, 19. Ça fait. Ok, là, on est d'accord. Ouais, mais je crois que c'est celle-là la menace. Ouais, regarde, regarde, on a un code en fait, on a un code. C'est bon. Ça, il est plus là. Là, le machin, il est comment? Il est plus là. Ok, on va voir avec les clés maintenant. Ah, ici, ici. Tiens, essaye, il y avait celle-là là-bas. Cette clé, tu as trouvé où?
Ça, c'est les tout à l'heure. Ça, mais pas là. C'est bon, vas-y, tire. Fais attention à la carton. Ok, on s'enfuit. Elle coffre. Reprenez le billet. Ok, écoutez-moi bien. Là, vous êtes en possession des fiches des détenus de la prison. Avec ces fiches, vous allez être en mesure d'ouvrir une dizaine de casiers. Concentrez-vous sur les... Bon, en attendant, je vais faire un petit tour à l'apéro du directeur pour voir si tout va bien. Bon courage. Rien. 223, 528. Quel numéro de casier, quel casier ? 1, 120. 113, c'est ça ? Je le mets là-dedans. Ok, ça c'est les deux que j'ai fait. Oh, celui que j'ai posé à droite, c'est celui que j'ai fait. Vas-y, ok. Il est là, c'est le numéro de casier. Il n'y en a pas. Vas-y, lui, il n'est pas. Ah, numéro de casier. Numéro de casier. Tu l'as fait ? Ouais. Numéro de casier. Est-ce qu'il y a ? C'est quoi le code ? Nom divulgué. C'est... Tiens le dossier si tu veux chercher. Ah, juste au-dessus, perds pas de temps. Combien ? C'est quoi ça ? C'est aussi ta grand-mère. C'est quoi peut-être ? Y'a pas, non divulgué. Ah, mais c'est quoi ça ? Je pense qu'il fait par terre. Voilà. Donc y'a rien de ton pote. Là, j'ai un truc là. Hein ? Hello ! C'est quoi le casier ? C'est le numéro de matricule. Et sur la photo, y'a rien. Le numéro de matricule, en général, il est imprimé. Non, mais c'est ça le numéro de matricule. C'est ça les numéros. Ah, mais lui, il a écrit en cours d'immatriculation. Donc, il faut mettre ceux qui ont des numéros. Prisonnier, écoutez-moi. Écoutez-moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Tout à l'heure, j'étais à l'apéro du directeur et je crois que j'ai vu des gardiens se barrer faire une ronde du côté des cellules. Alors, écoutez, je vais vous donner la procédure à suivre au cas où il y a un gardien qui débarque. Si vous voyez quelqu'un au bout du couloir de laser, vous retournez dans votre cellule et vous faites l'air de rien jusqu'à ce qu'il se barre. Ok ? Ok, ok, donc là, t'as compris ? J'espère vraiment que personne n'a débarqué prisonnier. Hein ? C'est quoi ? Il a dit quoi ? J'ai trois indices. C'est quoi ça ? Hein ? Voilà, mon cerveau, là, il a bloqué le truc quand même. Ah, c'est ça ? Le truc rouge ? Non, bleu là-bas. Voilà. Et là, on a accès à trois dossiers. Ah, il m'a tellement. Vas-y, faites moi le regard. Vas-y. Ok. À partir de maintenant, concentrez-vous uniquement sur les... Et c'est bien gaffe, on sait jamais quand des gardiens peuvent débarquer. Vas-y, c'est bon. 152. Tu peux lire tout. 152, c'est sa date de naissance. C'est le... Il a 29 ans, il est né en 1988. Tu vois toute la date de naissance. Il y a le mois, il y a tout là-dessus. Il y a où il y a le mois, frérot? Non, mais là, c'est une affaire. Attends, le 1998. Ah, ce bâtard! Vas-y, un autre. Faut qu'il me dise. Un autre, on s'en fout. Ah, si vous, 113. S'il vous attrape, c'est électrique. Hein. 113. Ah, il a mec. Vas-y. Tu vois, les numéros sont chers petits, voilà. Ça, t'es vraiment un peu le tu sais quoi, toi. Ouais, 141, c'est... Ok, lui, je l'ai ouvert, c'est bon. 153, 352. 153, il est déjà sorti. Ah mec, il est là.
avec ce bordel là? C'est quoi cette merde là? Recule, il est à côté là, prisonnier avec sa toque! Allez, dépêche-toi! Tu ma gueule ou quoi? Arrêtez de vous foutre! C'est qui le chef? C'est qui le chef? C'est vous! Hé hé hé! Tu me regardes quand je te parle, toi, d'accord? Regarde-moi dans les yeux! C'est qui le chef? C'est qui le chef? C'est qui le chef? Ouais, c'est ça, regarde, y'a un petit outil, elle a essayé de se barrer! Mais sous ma gueule celui-là là! Oh putain de merde! Essaye de te barrer! Essaye de te barrer, retourne-toi! Prisonnier, retourne-toi! Retourne-toi, prisonnier! Regarde-moi! Regarde-moi dans les yeux! Quoi encore il veut se barrer putain? Il a creusé un tunnel le bâtard! Quoi toutes ces chansons? Pignoufier la gueule tranquille! Et toi qui essaie de t'évader! Et toi qui essaie de t'évader! Ça va barder, d'accord? Fouille à pour toi dans une heure! C'est qui le chien, j'ai dit? C'est vous! Il a pas compris me faire des points! C'est moi! Ah, c'est moi! Tu sais mon voisin en prison? Oui! Je t'avais dit de pas la tuer! C'est une poucave! C'est une poucave! Ouais! Aïe aïe aïe! Pourquoi il crie les menottes sur l'année? À quel moment tu cries sur la palette des gens sur l'année? Ferme-la! Respect! Les gardiens ici, c'est nous qui faisons la loi, d'accord? C'est vous qui faites la loi! C'est pas tout, garçon! C'est bien! Recule, Brunet! La prochaine fois, tiens une menace! Mais non, mais moi je suis avec vous, les gars! Les menottes, Brunet! À genoux? Quoi? Tu t'es remonoté? Oui, je me suis remonoté! Allez, lève-toi! 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 Lève-toi, les mains dans le dos, les mains dans le dos, les mains dans le dos. Attache-le, attache-le dans l'eau, attache-le. Hop, hop. J'ai fait une putain de chute, je crois, je me suis pété les genoux. Moi, moi je crois qu'il a tourné. Moi je crois qu'il a tourné. Hop, hop. Regarde, très bien. Allez, très bien. Quel ça. Une grillade, hop. Malade. Ma clé, Jessie, m'oublie pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Donne-la moi et si tu veux, tu vas t'occuper de lui. C'est elle ou pas? Non, mais non. Allez, oui, je suis là, oui. Ah ouais, c'était chaud.
Ah, ça je l'ai vu. Prisonnier, vous êtes le menace ou pas elle? C'est elle qui est le long de la chaîne. Le long de la chaîne, prisonnier, ça fait le menace. Ah, elle est le long de la chaîne, l'autre, la petite. Elle est dans une cellule ou chez moi? Où est-elle par terre dans ma cellule? Elle est là, elle est là. Dans ma cellule, elle est. Ouais, ma chambre. Allez, on est en prison! Mec, tout... Le mec, il est tout mouillé. Allez, on dépêche le cul, on a pas d'autre. Le mec, prends ta chaussette, elle sent la merde. La rotule, ligament. Je peux y aller, il fait mal au Jacques Mesquine, je l'ai. Ah oui, le coffre. Le coffre, vraiment le coffre. Vas-y, je te charge de cette mission. Le mec, parce que c'est. On a tout. On a une tenue. On a un spray. Et on a une chaussette et des bols. Après. Ouais. Barba, sol. Ok. On est le plus agile. C'est moi. Le plus agile au bout du couloir de la terre. Ok, j'y vais. Apparaisse une minute. Baisse-toi. Baisse-toi bien. Non, tu peux remonter un peu. Non, il y a un laser là. Une minute. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Oui, comme ça, oui, comme ça. Oui, comme ça. On est à 50 secondes. Y'a de la jambe. Ta jambe. Pas trop, parce qu'il y a l'autre laser, voilà. Le lacet. Et ensuite, viens là. Vas-y, y'a l'autre, laisse la porte. Allez là! C'est bon, on y arrive! Oh, super fun! Oh, retournez le genou! Ah, toi, tu t'es blessé un peu! Ouais! J'ai fait une vraie chute! C'était incroyable! Ouais, si, franchement, bien! Surtout l'avant de venir! Avant de venir, il était incroyable aussi. Ah, c'est lui! C'était lui! Oh, qu'est-ce que t'étais lourd! Oh, qu'est-ce qu'il était lourd! C'était qui le deuxième? Ah, c'était madame! Mais attends! Échappe! Cette tête! Patate que tu m'as mis! Tu m'as charclé le crâne! Moi bien, on a passé de toute la journée à te suivre. Comment, monsieur? On t'a suivi où t'étais? Je sais pas si tu te rends compte. Attends, au début, je vois, il me saute dans les jambes directement. Quand je regarde là, t'es bien. On tombe par terre, je sens quoi directement? C'est crochet. Oh l'enfoiré, il est fort, il ne m'a pas. Moi, j'ai senti crochet, lui, clé de jambe. Je me suis dit, wesh,
J'ai aucune chance. Ok, tu m'as fait mal. Attends, regarde le ciel. Non, juste tes yeux. Ouais, les yeux. Hein. J'ai oublié comment on faisait. Ah, pour fumer ma tête, moi. Attends, bouge pas. Là, là. T'as quel coup, tes genoux, le aussi pas. Ah ouais, t'as ramassé toi aussi. C'était rude. C'est qui a donné la consigne à lui? Vous pouvez bien le taser. C'est nous. Madame, Gilan et moi, frère. On a. Toi aussi. Merci. Bonne soirée, merci. Allez, bonne soirée, merci beaucoup. Ah, attends, et toi, ça s'est passé comment, toi? Eux, en fait, c'était pour te mettre dans le truc, mais eux, on les a pas capturés. T'es pas au courant qu'ils sont complices? Ah, vous savez tout depuis tout à l'heure. Ouais, y'a que toi. Toi aussi, tu savais? Ah, ouais, lui, il est arrivé, il t'a dit, je me suis pris une tarte au snack, ils m'ont ramené là. J'ai inventé un truc sur le coup là quand tu m'as parlé. Par contre, s'il y avait une personne, je me serais pas fait attraper. Genre une seule, frère. Une personne, ça aurait été personne, tu vois pas à la fois. Non, tu peux pas. Ouais, c'est impossible, il aurait pas pu me. Ah, mais là, en gros, moi, je sais pas pourquoi. Voilà, je me suis levé et j'ai vu, en gros, rien à voir. Je suis sorti de mon local et j'ai vu la poignée comme ça. Elle s'appuie, comme ça tout doucement. Tac, je vois le recul, elle se referme. T'as eu de l'adrénaline ou pas? En gros, je me suis dit, je sais pas là, en gros, je vais me battre. T'as paniqué quand tu nous as vu rentrer en vrai. Ça t'a fait un petit truc. Non, quand j'ai vu la poignée, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, attends là, ça va s'embrouiller tout en mode comment? Donc en gros, moi, je me suis dit quoi? Effet de surprise, s'il est derrière la porte, je vais mettre un chassé, c'est sûr, ça va taper sa tête. On a appelé le snack, on a quadrillé ta zone de chalandise. Déjà en prison, ils nous ont aidé. Oh, ils sont en prison, ils nous ont aidé. Du snack au local, à la caméra de ton local, on a tout surveillé. Voilà, pour dire, ça fait toute la journée. On était en attente, frère, on surveillait. La confiance aujourd'hui. T'es pas la confiance aujourd'hui? Non. Chase, il avait ta localisation. Toutes les 20 minutes, on l'appelait. T'es où? Il est où? T'as dû aller ici? Ah, si, non, je suis parti pour aller au local. Je passe par en bas. Attends, c'est à quelle heure que ça a commencé? Quoi donc? La traque. La traque depuis, mais moi, on va dire quand j'ai commencé. À 14h, j'ai appelé Gilan. Je lui ai dit, bah, comment savoir où il est? C'était compliqué. Oh, mais en fait, là, je viens de comprendre. Il y a un mec qui est en prison qui m'a dit, ça va, viens, tu fais quoi là? Et moi, je lui envoie, qu'à ça. Oh, en plus, il me répond, ça va, en mode oh, ma coupe, ça va, on dirait pas trop un fou et tout. Arrête de m'adresser. Ouais, frère, j'allais lui répondre et je me fais soulever. Attends, parce que vous, c'est dans le vif du sujet. Moi, comme un trou du cul comme ça en train de filmer. C'est pas quoi, un combat de grappling comme ça. Je pose la caméra, je vous aide. Après, je repose la caméra. Mais t'es comme ça, je peux pas parler. Il venait m'aider pour lui passer les mains. Non, un combat de grappling. Ça se roulait partout. Oh, c'était trop. Mais tu mettais tes doigts dedans, on pouvait pas parler. Là, je connais. Parce que. Allez, on voulait pas faire mal. On aurait voulu faire mal, frérot, il se mange une clé. Ouais, cette affaire-là. On lui arrache le ventre. Mais non, même sur l'étranglement. Là, c'était trop compliqué. Sinon, en vrai, l'étranglement, je force et il fait dodo. Mais on veut pas qu'il dorme, mais on veut qu'il reste debout. J'ai envie de vomir, parce que moi je te connais. Voilà, mais là j'allais vomir, hein. Si t'avais pas ouvert la fenêtre. Tu sais quand je voulais ouvrir la fenêtre? Oh, j'allais vomir. Mais t'as vu qu'on prenait soin de toi ou pas? On t'a enlevé. Non, là j'avais plus de doute. Là où j'ai eu le doute. Non, le seul moment où j'ai eu un doute, c'est quand en gros j'ai vu la poignée. Elle s'est appuyée. Je l'ai vu s'ouvrir et se refermer. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, ah, c'est des gens, Zama, ils viennent cambuche. Donc tranquille, je vais m'enculer avec eux. En gros, les gens qui cambuchent en général, ils savent pas se battre. Donc tranquille, en gros. Exactement. Et frère, d'un coup, je vois Masque, lui, il court dans mes jambes. Lui, il vient clé. L'autre, voilà, je savais pas c'était qui. Je savais pas c'était qui. Attends, je savais que c'était une vidéo. Mais tu t'es dit, je sais pas. Non, au début, tu sais, je me suis dit quoi? Directement, quand je vois deux personnes courir et rien filmer, là, je me suis dit, en gros, Zama, en gros, c'est des gens qui vont venir pour me hagar et dire style, oh, regarde, on a hagar Paris Salvatore. Donc le peu là, la caméra, je le calcule pas. Je me dis, lui, il va juste venir pour filmer. Et d'un coup, il me saute dans les jambes, bam, on tombe par terre. Et toi, quand j'ai vu, tu bougeais pas, j'ai compris, et c'était une vidéo, mais je voulais voir s'ils allaient mettre des patates au sol. Et vu qu'ils m'ont pas mis de coups, je me suis dit, vas-y, c'est bon, en gros, c'est une vidéo et tout. Ok, et... mais même si c'était une vidéo, t'as cher forcé quand même. Ouais, je sais pas, je voulais enlever leur main. Je sais pas, j'enlève sa main et tout, et je... voilà, il y avait aucun but, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Regarde ce qui t'attendait, frérot. Ah, ouais. Et c'est juste, on a pas voulu niquer la vidéo. Ouais, par contre, là, tu serais gazé aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Tout le monde se serait gazé. C'est pas grave, mais toi, tu l'aurais pris plein de face. Ouais, mais frère, moi, je suis sûr que t'aurais vu. Ah, je vous aurais frotté la tête. Je fais ça. Je mettrais les doigts, je vous mettrais dans les yeux comme ça là. Mais frère, tu sais qu'on allait te taser, on allait te gazer, on a fait des délires dans nos têtes. Après, ça dit, on va paniquer la vidéo. En gros, c'est le fait que vous avez pas fait ça que j'en vois pas de coups, rien et tout. Sinon, j'aurais fait, je sais pas, patate, coup de coude, plein de trucs. J'aurais mordu, j'aurais tiré, j'aurais mis d'autres dans les yeux. Tu sais qu'heureusement, t'as pas mis ta garde, madame. Parce que je me suis dit, mais tu savais pas que c'était moi en vrai. Mais je savais personne, je savais pas, zéro. Un fou rire. Moi au début je t'ai dit, j'ai cru que c'était déjà... C'est bon, lâche-moi, je te suis. Attends, pourquoi je suis pris, hein. Dans le monde, je crois pas qu'il y a un pélo dans le monde qui se fait kidnapper qui dit... Vas-y, j'ai la flemme, ok, vas-y, vas-y. Le pélo, voilà, m'a dit... Attends, un pélo se fait kidnapper, il rigole au sol. Il tombe au sol, prends-moi, vas-y, j'ai la flemme. Mais non, mais je te suis, mais juste... Il explique le métier au pelo, mais t'étais un malade, wallah. Ah, c'est lui, le pire c'était pas lui, mais vraiment c'est mal, il le suit comme ça. Attends, c'est quoi le drôle? C'est quand il est en train de me maîtriser au sol, et moi je rentre le doigt, je dis, hop, ça t'es que les jujutsu au sol, hein.
Non, c'est un technique drafting, hein. Après, je t'ai dit quoi? Je t'ai pas dit allez mettre votre énergie pour les agents du Mossad, hein. Il parle, il fait des discussions.